Hey, ça au fait YouTube, je suis Suzucube. Et je suis très content de vous retrouver pour un petit tour de Call of Duty Mobile. Alors, est-ce que ça a pas pris en compte mon Razer Kitchi? Je crois qu'il faut aller dans les paramètres. Paramètres. Manette. La manette a l'air d'être connectée. Oh. Faut impérativement une manette Bluetooth pour y jouer. C'est dommage. Tu vois, l'un des problèmes du Kitchi, c'est ça. C'est que tu achètes le Kitchi et en fait, au final, tu peux pas jouer parce que les jeux demandent souvent une manette Bluetooth. Et du coup, le Kitchi, t'es dans le caca. Voilà. Bah écoute, j'ai déjà connecté. Donc il va rester. Et allez, jouer. Un mode aléatoire. Alors, quelqu'un m'a dit qu'il y avait une astuce, c'est de connecter une manette Bluetooth. Oh, il est trop beau le jeu. Il est impressionnant. On est d'accord que ça ne marche pas. Ouais, non, ça marche pas. Putain, j'arrive pas à jouer. En fait, c'est trop dur de jouer, de rester à l'écran. Faut que je reste à ce niveau-là. Ok, on va essayer. En tout cas, par rapport à mon petit téléphone, le plus grand écran permet vraiment de... En fait, je vois que j'arrive mieux à jouer. C'est beaucoup plus agréable. Parce que sur mon petit téléphone, le problème, c'est que dès que je bougeais le doigt, là, j'avais l'impression que c'est... que tout partait en vrille. Et là, je me sens bien pour jouer. Ça, c'est cool. Là, j'ai plus de balles. Ouais, c'est vraiment agréable. Je pensais pas que tu pouvais avoir du plaisir. Non. Je pensais pas que tu pouvais avoir du plaisir sur un Call of Duty mobile. Enfin, en fait, comme j'ai joué que sur des téléphones, des petits téléphones, ou des téléphones pas forcément adaptés. Je sais que j'avais le S8 Plus et tout. C'est vrai que là, ça change ma vision du jeu. C'est quoi ça? Je suis invincible. À la limite, je me demande même si ça sert à quelque chose une manette. Enfin, je pense que ça sert pour le feeling d'être sur console, mais le jeu il est fait pour. Hein. Oh, franchement, ça défonce. Hein. Et quand tu sais que tu as une batterie de 4500 mAh et que tu sais que tu vois pas tomber en rade de batterie après une demi-heure de jeu, je t'avoue que ça rend les parties beaucoup plus sereines.
Enfin, limite, je vais pas dire que c'est un téléphone de jeu, mais. Mais il y a des bonnes sensations de jeu là. Sauf quand je tire dans la jambe. Need backup. Où tu vas? Où allais-tu? Qui snipe? Y'a plus de balles? Ah, j'ai plus de balles. J'avais plus de balles, j'avais plus quoi faire. Le jeu est en 60 FPS, même si vous le voyez pas. C'est-à-dire 55, ouais, je suis à 55, 60 FPS. Il est extrêmement bien optimisé comme jeu. Bon, voilà. Franchement, il tourne bien. Mais c'est mon mauvais compte! C'est un compte que j'ai demandé qu'il supprime, putain. J'ai la haine. Ah bah GG. Franchement, j'ai haine, c'est pas mon bon compte. Bon, sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis à tous d'un coup. Ah, si. Paramètres. Alors, moi, je laisse les paramètres comme c'est par défaut. Mais audio et graphisme, voilà. On est en moyen et en fréquence d'image très élevée. Voilà. Et là, ça tourne en 60. Après, il y a un style graphique BR, voilà. Mais, voilà, moyen et... Voilà comment c'est réglé. Sinon après, bon, t'as élevé et tout, mais bon, je sais que mon téléphone... voilà. Et puis après, c'est pareil, élevé, et si c'est pour que le truc surchauffe et que... Voilà, c'est... Je pense que c'est un bon compromis, voilà, tout simplement. Surtout comme d'habitude, comme j'ai au prix où est ce téléphone. Sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis à ciao les otaku. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à bientôt sur otakuen.fr. Ciao, bye bye.